Bonjour à tous. Tropisme est fermé maintenant depuis samedi dernier. Et on avait quand même envie, avec notre petite équipe à distance comme ça, d'imaginer une programmation pour occuper ce temps qui risque d'être long et de retrouver un peu les ingrédients qui font la programmation à l'année de la. Vous vous en souvenez peut-être, on avait sorti Tropisme en chantier, c'était juste avant l'ouverture de la halle, et on avait inauguré la halle avec Tropisme est ouvert, et là on s'est dit, ben, on va faire Tropisme est en ligne. Tropisme est en ligne, c'est une programmation avec 2, 3, 4 événements par semaine où on retrouve pas mal de gens qui font la programmation à l'année. On va retrouver notamment Mathilde Monnier, alors Mathilde qui est la chorégraphe associée notamment à la halle, qui va nous proposer régulièrement des cours autour de la respiration, du bien-être voilà, intime pour pouvoir faire face à cette épreuve-là. On va aussi retrouver toute une programmation autour des enfants, donc ça c'est Lola qui va s'y coller, et notamment avec Lucie. Lucie c'est notre super pâtissière, la voilà, avec sa fille. Et je pense que Lucie et sa fille vont imaginer des cours de pâtisserie pour, comme ça, ponctuer la journée, qui peut parfois être longue avec des enfants. Juste à côté, là on le voit, c'est Simon. Simon, vous le voyez souvent au Café Tropisme. Là, il va proposer, lui, pas des choses pour les enfants, mais plutôt pour les grands, à l'heure de l'apéro, des conseils pour les cocktails. Il va imaginer ça pas tout seul. Il sera aussi avec un autre serveur qui est très chouette, c'est Jérémy qui est là. Donc, on se retrouvera comme ça à des moments pour des petits co conseils cocktails. On va retrouver aussi des rendez-vous pro. Donc Anne-Charlotte ici va s'y coller, et pas toute seule parce qu'on a la chance à la Halle Tropisme d'avoir plein de résidents hyper talentueux. Donc c'est avec eux et Anne-Charlotte qu'on va imaginer comme ça une programmation régulière de temps pro, parce que évidemment, même si Tropisme est fermé, ben, la Halle s'arrête pas vraiment, on continue à travailler. Je pense qu'aussi on aura d'autres surprises, par exemple nos amis de Piñata qui étaient en train de s'installer à la halle, donc on repousse un petit peu l'installation, mais ça va arriver, donc peut-être qu'on va les retrouver pour des petits DJ sets. Et voilà, Tropisme est en ligne, ça commence d'ici quelques jours, et ça sera très régulier, et c'est un moyen de retrouver la halle Tropisme un peu chez vous comme ça, en attendant la réouverture, dont on ne sait pas exactement quand elle arrivera. À bientôt.